À chaque tournant de notre histoire, quand nous cherchons, égarés, la route à suivre, la Providence, qui ne nous abandonne jamais, fait toujours apparaître dans le ciel tourmenté une étoile éclatante pour guider nos pas. Après la tornade révolutionnaire et l'écroulement de l'Empire, la France haletante se cherchait. Au moment où les excès de l'intelligence commençaient de dévorer les âmes, allait-elle rester sans guide? Non. Car par ce soir de 1818, pareil à tous les soirs, sur une petite route de France semblable à toutes les petites routes de France, un humble prêtre de campagne marche vers l'endroit qui lui est assigné pour porter aux hommes un message immense. Humble, il l'est plus que tous, seulement d'humilité rayonnante et de foi. Il a échoué à la plupart de ses examens. On l'a ordonné sans enthousiasme et on l'a nommé curé d'un des villages les plus misérables de France. C'est un simple, un paysan comme les autres. Rien ne le désigne pour une existence hors série. Rien. Sinon cet étrange remous. C'est vous qui faites ce grincement en marchant, madame Bibost? J'entends rien. J'avais l'impression qu'on nous suivait. J'avais un voisin qui entendait courir des rats. Mais il était sous du matin jusqu'au soir. C'est ce qu'ils appellent le délirium. Sauf votre respect, monsieur le curé. Le chemin d'art. Je te montrerai le chemin du ciel. C'est là, madame Lieber. Oui. C'est ce que je vous disais. Comme paradis, vous êtes servi. C'est le village le plus affreux que j'ai jamais vu. On vient pas pour le village, mais pour les âmes, madame Bibost. Tu ferais mieux de reprendre tes clics et tes claques. Ils sont tous à moi, ici. Un peu fort, t'as entendu? Quoi? Parlez. Tout à l'heure, on marchait, maintenant, on parle. Ça vous arrive souvent d'entendre des voix? Non, jamais. Parce que vous avez le ventre creux. Avec vos jeunes, vous vous ruinez la santé. Et c'est pas hard ce que vous allez gagner de courir. Oh, je suis fait de besoin, madame Bibost. Allez, non plus pour longtemps. Allez, en route, viens, ça. Eh ben, allez. Allons. Qu'est-ce qui se passe? Fais demi-tour. Tu vas perdre ton temps ici. Perdre mon temps? Jamais cette paroisse ne pourra contenir tous ceux qui plus tard y viendront. À cause de toi? Eh bien, voilà un beau péché d'orgueil pour commencer. Il y a pour
sens rien qui retient le cheval? Non. Il n'y a plus rien maintenant. Viens. Celui-là. Mais tais-toi, Georges, tu parles pas, hein, j'aurai ta porte-malheur. Ouais, attends, je vais te faire déguerpir, moi. Oh ben non. Surtout, n'interrompez pas cette fête pour moi, mes amis. Nous avons bien le temps de faire connaissance. Oui, je suis votre nouveau curé. Quoi? Non, on ne veut pas de curé, t'entends? On n'a pas besoin de marchand d'eau bénite. Ah, puis si j'ai un conseil à te donner, c'est de retourner d'où tu viens. J'ai bien dit, monsieur le curé, que c'était un pays de mécréants. Mais non, vous êtes trompé, Mère Bibotte. Faut pas si méchant qu'ils en ont l'air. Bravo! Voilà qui est parlé! Allez, allez, venez! On va vous offrir un verre! Oh! Ah, si c'est pas malheureux que t'as chien d'appareil! Eh ouais! Tu t'es un connaisseur? Dans mon village à Dardilly, on cultive aussi la vigne. Ah oui? Allez! Merci. À la vôtre, monsieur le curé. Votre bonne santé. Du vin d'ici, non? Oui, oui. Oh, bon, il y en a tout de même du meilleur. Quoi? Tenez, si vous le permettez, quand je serai installé, je me ferai un plaisir de vous donner quelques conseils. Merci. Faut pas travailler dans une ferme. J'ai été comme vous, moi aussi, un ouvrier de la terre. Hey. Mais il a raison, c'est la piquette. Bois de la piquette, répète-le. Oh. Oh, pourquoi vous êtes bien content de le voir? Ah. Ah, c'est parce que vous vous mariez par l'église qui s'est pris 27. Pas du tout, non. Si je marie pas à l'église, ça les regarde. Bon, seulement qu'un jour, nous regretterons. Tu as entendu? Il nous a acheté un sort. Laisse le corbeau pousser son truc, je serais bien lui clouer le bec. J'ai la clé.
mon ami. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, madame. On vous dérange, madame. Excusez-nous. C'est un plaisir, au contraire. Si vous saviez comme ça me crevait le cœur de voir le presbytère vide. Mais malheureusement, on ne m'a pas annoncé votre arrivée. Mais j'aurais donné un coup de balai. Non, non, non. Chassé les araignées. Entrez. Oh, non, non. Oh, vous avez une piquette à mes notes. Vous allez me donner des nouvelles de ce là. Si vous n'êtes pas tous tout à crever, je m'appelle tout en balai. Monsieur le curé, vous allez avoir une bien mauvaise impression de votre futur logis. C'est beaucoup trop beau pour moi. À qui appartient ceci? À la châtelaine du pays, mademoiselle Desgarets. Elle l'avait offert à votre prédécesseur. Il faudra les lui rendre. Je ne veux pas vivre dans un palais. Et cette porte, là, vous donne-t-elle? J'avais des pendants. Bon, eh bien, soyez donc assez aimables pour y ranger tout ce qui ne nous appartient pas. Il a l'air encore jeune. 32 ans. Ah, j'irai donner plus. Vous êtes à son service. Pensez-vous, il fait tout par lui-même. Je chercherai du travail dans le village et je viendrai lui prêter la main pour le ménage, sinon il se laissera mourir de faim. C'est un bon prêtre, à ce que je vois. Lui, il donnerait la foi à un troupeau d'ânes. Eh ben, c'est exactement le travail qu'il attend ici. Dire qu'il y a des imbéciles qui sacrifient leur bonheur à une chimère. Vivre dans un taudis pareil. Et pourquoi? Tu as vu tes ouailles? Jamais tu ne les empêcheras de se vautrer dans leur vice. D'ailleurs, ils sont heureux comme ça. Ils n'ont que faire de ce paradis que tu veux leur promettre et qui n'existe pas. Si tu es Satan envoyé par l'enfer pour me tenter, dis-le. Appelle-moi comme tu voudras. Il n'y a pas plus d'enfer que de ciel. Honte. Dieu est mort il y a des millions d'années. Alors pourquoi viens-tu me tourmenter si c'est pas pour m'arracher à lui? Parce que j'aime les humains, moi. Je veux qu'ils soient heureux sur la terre, puisqu'il n'y a que la terre. Souviens-toi qu'en faisant leur malheur, tu feras aussi le tien. Garde tes conseils pour toi. Et tu peux t'en aller, tu entends? Quoi que tu fasses, je suivrai la voie que Dieu m'a tracée. Ça lui arrive souvent de parler seul. Mais non, ça a commencé en route. Eh ben, il ne nous manquait plus que d'avoir un curé détraqué. Détraqué? Faites attention à ce que vous dites, hein. Est-ce que Jeanne d'Arc était détraquée, elle? Vous n'allez pas le comparer à Jeanne d'Arc, votre jeune curé. D'abord, les saints, c'est aussi rare que les beaux jours. Et puis, c'est facile à reconnaître, ils ont une auréole sur la tête. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez sur la langue, vous. Mais ça fait bougrement du bruit pour rien. Eh ben, qu'est-ce qui arrive, humain Bibos? Nous avons presque fini de vider la charrette. Il faudrait nous dire où vous voulez qu'on mette tout ça. Oh, laissez donc, je m'en arrangerai bien. Alors, un petit parmentier, sans doute. N'ayez pas peur. Approchez, dis-moi, votre curé vous mangera pas. Comment je vous appelle? Macheron Pierre. Macheron Pierre. Et ton père, qu'est-ce qu'il fait? C'est le fossoyeur. Ah. Il a du travail? Il dit que ça va. Ah, ça va. Je te fais peur. Ça
y est, je l'ai piqué. Tout. Ils ne savent pas, ils suivent leur instinct. Pour le moment. Ah, vous pensez donc les mettre dans la bonne voie? Bien sûr, pourquoi pas. Ben oui, votre prédécesseur y avait renoncé. C'est vrai qu'il était malade et découragé. Ces gens, c'est quelque chose. Je suis le sacristain. Oh. Oh, je suis très heureux de vous connaître, monsieur. La certitude que nous nous entendrons très bien. Oui, ça, on en aura guère le temps. Pourquoi? Bon, vous tiendrez pas un mois ici, monsieur le curé. Oh. Vous savez, oh non, non. Oh, c'est pas qu'il soit plus méchant qu'ailleurs, c'est... Non, seulement, vous voyez, ça pense qu'à boire, qu'à danser, qu'à prendre le bien d'autrui. Il viendra bien à vous, petit à petit. Avec l'aide du bon Dieu. Vous êtes jeune, monsieur le curé, vous êtes plein d'illusions, mais vous verrez, ils vous rendront la vie impossible. Qu'est-ce que ça peut faire? Ils rendent la leur plus belle. Moi, ouais, ils sont à l'image de leur église. Tout est à réparer. Ouais, la révolution a passé là-dessus. Jusqu'aux cloches qu'on perd de leur belle voix. Le bois de la chair est rongé par la vermine. Les rats clignotent les chaînes. Donc ça ne vous encourage pas ça, à venir prier. Mon Dieu. Voici la maison où je dois faire étinceler votre gloire. Faites que je sois digne d'y entrer. Du feu, mère Bibos. Il faut pourtant que je vous fasse un peu de sous. Non. Et qu'est-ce que vous allez manger? Oh, rien pour ce soir. On verra bien demain. Vous avez peur, monsieur le curé? Vous n'allez pas repartir? Il fait pénitence pour eux. Le bon Dieu en aura pitié. J'ai l'impression que vous allez vous tuer pour rien. France expiatrice n'est jamais perdue. Allons, ma bonne mère Bibost, il est temps d'aller trouver une chambre. Vous allez encore vous mettre en retard. Bonne nuit, mère Bibost. Bonne nuit, monsieur le curé.
Bonsoir, Grappin. Allons, ne tremble pas, Vianney. Sais-tu de quoi tu as peur? De ta solitude. Tous les hommes sont voués à la solitude. Leur âme est enfermée dans une carapace de fer. Il n'y a que l'amour qui puisse la briser. Oui, l'amour de Dieu. Non, ce que j'appelle, moi, l'amour. Tiens, regarde. Voici contre quoi tu t'insurges. Voilà ce que tu veux leur faire abandonner. Le ciel auquel tu crois n'est pas ailleurs qu'ici. C'est faux. Tais-toi. Si tu le connaissais, ce ciel-là, tu n'en voudrais pas d'autre. Je veux leur faire gagner le paradis de Dieu. Voyons, tu ne veux pas perdre ta vie à t'occuper des autres qui te haïront si tu les aides. Qu'importe, ils me haïssent si je parviens à leur faire aimer notre Seigneur. Tu es jeune. Justement, j'ai toutes mes années à leur consacrer. Tu es plein d'ardeur. Je vous l'offre, toutes, ô mon divin maître. As-tu remarqué les filles qui t'entouraient tout à l'heure? Je te tais! Repas, Grappin, si t'as rien trouvé de mieux depuis Saint-Antoine, tu peux t'adresser ailleurs. Non, parce qu'il n'y a rien de mieux que la chair. Tu sens comme la tienne brûle? Je sens et la martyre. Oh mon Dieu! Tu as le mal jusque dans mon corps. Puisque tu crois que Dieu a tout créé, c'est dans lui qu'a créé le mal. Oui, le bon Dieu a créé le mal pour qu'on l'écrase. Non, pour qu'on en jouisse. Jésus! Oh mon Dieu, ne m'abandonnez pas. Ses gosses, lui. Et votre mère, Père Clément, est-ce qu'elle n'a pas été enterrée par un prêtre en réfractaire pendant la Révolution? Peut-être! Mais moi, je n'ai pas tiré les bottes de l'empereur! On n'y passe pas la rivière! Plus, je suis un enfant, vous entendez, qu'elle ne me reverra plus.
suis un enfant perdu. Comment trouvez-vous vos carillons, monsieur le curé? Tout petit peu fêlé. Mais c'est bon, nous arrangeons ça. Oui, j'essaie de les dégeler un peu, mais je compte pas sur un gros succès. Hein? Alors vous croyez que nous n'aurons pas beaucoup de monde, hein?
Qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous parlerai pas encore de la joie que procure l'amour de... Ça viendra. Vous vous êtes détourné de lui, mes enfants. Il vous abandonne à vous-même. C'est justice. Il voulait vous rendre heureux et vous, vous continuez de pécher contre lui. Le péché est le bourreau de Dieu. L'assassin de votre âme. Voilà d'où vient votre misère. Vous m'empêchez de robes et de manteaux dans trois chariots. Les portés pour vendre à la foire de Hollande. Au marché, il n'a plus rien. Tandis que celle qui est avec Dieu est toujours dans la loi. Vous êtes-vous demandé pourquoi votre bétail est maigre et va la tête baissée? Il est tout simplement à l'image de votre âme. Et leur bonnet clavé furent bientôt jugés. Le cri de la bête, le cri de l'ange, c'est la prière. Le cri de la bête, c'est le péché. Et vous, attirez des bénédictions sur vous, sur les vôtres. Qu'est-ce qui se passe? Il va faire augmenter le rendement des herbages dans la région. Mais approchez-vous donc. Les salles de votre vieille église, sur lesquelles ça se mouillait les pères de vos pères, ne vont pas vous brûler les pieds. Ne vous étonnez pas si je suis quand je vous parle, je parle à des sourds. C'est qu'avec le bon Dieu que je parle là, car il écoute, lui. Prenez place sur les bancs. La maison du bon Dieu, c'est la vôtre. Et nous allons lui parler comme lui parlaient vos pères. Ici la haine et les rancœurs à la porte. Un peu moins de politique et un peu plus d'entraide fraternelle. C'est tous ensemble, la main dans la main, que nous allons travailler au bien de la commune. Si les uns se laissent exclure... Il a raison, on passe son temps à s'engueuler au conseil municipal. Non, tu vas pas lui couler le bec? Commencez par fermer le vôtre. N'attendez pas à rien à la mairie. Je ne comprends rien. Faites-moi emprisonner. C'est le dernier avertissement que je vous donne. Entrez. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Non, mais vous n'allez pas vous mettre à lécher les soutanes, hein? Si jamais votre mari apprenait ça... Mais son mari viendra aussi, monsieur Sanson, n'ayez crainte. Quoi? Enfin? Eh ben, si ça lui laisse mettre dans la calotte, je vous jure que je me fais sacristain. Vous savez beaucoup de choses, monsieur le curé. Je suis sûre que vous pourrez le guérir. Moi, oh non, non, non. Mais si le bon Dieu veut y mettre du sien. Venez, madame Ruffin, je vous accompagne. Attention, monsieur Vialet. Pas d'exercice illégal de la médecine. Il y a un exercice illégal de la charité. Que tu as mal. Tant qu'il est comme ça. Près de 6 mois. Il n'a pas fait venir un médecin? Le père Clément, leur bouteille qu'il soigne. Qu'est-ce qu'il est, ce père Clément? De drôles de choses. On va y aller avec nous. À votre bonne santé. Et que vos affaires aillent pas de mal en pis. Pourquoi? J'ai l'impression que votre clientèle pourrait bien diminuer. Qu'est-ce qui peut vous le faire croire? Les curés, ça se mêle souvent de ce qui ne les regarde pas. Mais celui d'Ars, surtout. Il ne manquerait plus que ça qui se mette à soigner les malades. Dame, si guérissait le petit des Ruffins, ça pourrait vous faire du tort. Le petit des Ruffins? Je
suis bien tranquille, jamais il n'osera rentrer chez eux. Bah pourtant il y est. Quoi? C'est comme je vous le dis. Vous pouvez jurer? Ah, j'ai pas l'habitude de mentir. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donnez-moi un peu de lait sucré. On va essayer de l'alimenter doucement. Avant tout, ma bonne dame, enfin, il faudrait cesser ces pratiques de sorcellerie. Elles ne peuvent qu'aggraver la maladie de cet enfant. Votre père est paralysé? Oui. Il y a longtemps? 25 ans. Il est tombé d'une échelle en montant à la grange. Et depuis 2 ans, il a complètement perdu l'usage de la parole. Oui, nous sommes tous voués aux déchéances de l'âge, mon père. C'est vous qui êtes allé chercher le curé? Mon petit Jacques était au plus mal. Vous ne vous plaindrez pas s'il lui arrive malheur. Quelqu'un doit tuer les malades, ce serait plutôt vous que moi. Et je vous prie même de ne plus continuer vos charlataneries sur tout le territoire de ma paroisse. Faites attention à ce que vous faites. Vous pourrez vous en cuire. Mais ce que nous verrons. Je viendrai lui rendre visite dans la soirée. Dites-moi, madame Ruffin, est-ce qu'il a été baptisé, votre petit malade? Oh oui, monsieur le curé, en cachette de mon mari. Tant mieux. Et monsieur Ruffin est tellement occupé. Pourquoi viens-tu de le connaître? Le curé, comme je te le dis, il va voir de quel bois je me chauffe. Oui, c'est moi. Casse! Je t'apprendrai à faire entrer cette prêtraille chez moi. Personne ne m'en empêchera. Écoute-moi bien. Si jamais on met les pieds ici, je le sors à tout gourdin. Il reviendra. Qu'est-ce que tu dis? J'ai le droit de tout essayer pour sauver mon petit. Dire, je vais sortir. Si tu veux.
n'essaie pas de t'échapper. Vite, monsieur le maître, on a attaqué notre curé. Hein? Ils sont venus le chercher à l'église, ils vont lui faire un mauvais parti. À vous qui l'a tué, hein? C'est chaud, voyons. Il est venu chez moi pendant mon attente. Je suis venu pour le soigner, mais... Si Dieu a voulu reprendre cette pauvre petite âme innocente... Eh ben, il va te reprendre, toi aussi! Arrête! Arrête! Toi, si monsieur le curé est coupable, ça n'est pas à toi de le juger. Vous protégez-vous, monsieur le curé, et attendez. Il n'y a rien pour attendre. Je reste là, je vais surveiller. Non, 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 oh, c'est inutile. Si Dieu me protège, il saura bien les comprendre. Ruffin, tout saccagé dans votre chambre. Tant mieux, c'était encore beaucoup trop beau. Empoisonné. Vous vous êtes aperçu de rien? Il m'a conseillé de lui donner du lait. Celui-là? Oui. Petite Sainte Philomène, vous qui avez été torturée dans votre chair, protégez-moi. Tu peux compter sur elle. Elle n'a même pas pu échapper aux soldats romains qui l'ont percé de flèches. Si elle le veut, elle saura faire éclater la vérité. Il n'y a pas de doute possible. Il veut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Père Ruffin? Il est mort. Il parle. L'homme douteux. Vous l'avez vu? Oui. Il a versé. Poison dans le bol. Clément, tu es sûr? Chère petite sainte, j'ai confiance en vous. Aidez-moi. Montrez-le. Monsieur le curé, on vient d'arrêter le rebouteux. C'est lui qui avait empoisonné le petit Ruffin. Seigneur Jésus, Sainte Philomène a exaucé ma prière. Nous allons porter ses reliques à l'église et nous lui ferons faire une belle chasse dorée, Mère Bibost. Elle sera la patronne d'Arth. Ne vous hâtez pas de triompher, monsieur le curé. La femme de Malray vient d'accoucher d'un gosse mal foutu. Et c'est vous qui lui avez jeté un sort. Personne n'est arrivé à le déloger, il a mis la main sur tout le pays.
Bonjour, monsieur Malraux. Je viens vous demander votre vol pour l'œuvre de la Providence. Vous, Catherine Lassagne? Voulez-vous me foutre le camp? Non seulement votre curé a un mauvais sort à mon gosse, mais il m'enlève tous mes clients. Et vous avez le culot de venir piéter ici? J'aimerais mieux crever que lui donner un coup. C'est pas pour lui, mais pour les enfants abandonnés de notre orpheline. Une racaille qui le ramasse partout, qui le fait gueuler sous mes fenêtres. Vous lui direz que si ça continue, j'irai lui fermer la bouche à sa marmaille. De Sa Majesté le Roi Louis-Philippe. La municipalité a décidé d'organiser dimanche prochain une grande fête à Arles. Elle convie la population à pavoiser et à décorer les rues. Grand bal public au café Malraux. Défilé avec la fanfare de Sarrebo et retraite au flambeau. Encore un bal, encore à danser. Je n'arriverai jamais à les corriger, ces pauvres enfants. Il faudra continuer à les secouer un peu. Soyez sans crainte, ma bonne Catherine. J'en perdrai plutôt la vie. Le précédent. Ces paroles subversives et républicaines, prononcées du haut de la chair d'Arles, ne peuvent qu'encourager la population à souhaiter le renversement de la monarchie et à ramener... Eh bien, à ramener quoi? Les sombres jours de la terreur. On t'a envoyé. Veuillez croire, monsieur le procureur du roi, à nos sentiments de profond dévouement à la cause de sa majesté. Et qu'est-ce que je signe? Un groupe d'habitants de la commune d'Ars. J'ordonnerai aux voituriers de la poste pour qu'elles soient à Lyon demain matin. Ah, si jamais on arrête le jour de la fête, je prends une de ces cuites comme on n'en a jamais envie depuis Noël. Une belle journée pour moi aujourd'hui. Que tu crois? J'arriverai bien à en embarquer une bonne douzaine. Quelle prétention! Hier, je t'ai repris une âme. Celle de la jeune Sophie Prévost. Elle a trompé son mari. Tu me fais les comptes? T'en as arraché plus de 150. Bon, pour longtemps. Le bal public, c'est mon territoire de chasse. Condition qu'il ait lieu. Qu'est-ce que tu penses faire pour l'en empêcher? Tu vas voir. C'est bien vous qui allez à Ars. Oui, c'est bien nous. Oui, eh bien, on n'a pas besoin de vous. Ah. Non. Combien vous a-t-on promis pour votre journée? 2 francs et la nourriture. 2 francs?
Bon bien, si je vous donne 3 francs par personne, ça vous va? Oh, c'est trop, monsieur le curé. On se contentera de la moitié. Et vous garderez le reste pour vos bonnes heures. Non, 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 non. Vous ne soyez pas trop généreux. Vous me feriez réconcilier avec le diable. Voilà, mon... Eh bien, voilà. Merci bien. Allô, allô, mes enfants, voyons. Mettez-vous sur 2 euros. Allez, pompiers. Bien joué, Vianney. Mais on dansera quand même ce soir à Ars. Ça m'étonnerait. Devrais-je y laisser tout l'héritage de ma pauvre maman que je te battrai encore, grappin? Écoute, si tu veux, on peut s'arranger. Je t'abandonne la moitié des habitants à condition que tu me laisses l'autre. Bon, vous aurez tous. Tu veux continuer la lutte? Continuer? Plus que jamais. Eh bien, tant pis pour toi. Tu t'en repentiras. Mais il n'y a pas de doute, mon cher, voyons. Allez, viens, on va. On a déjà 1 heure de retard. Tiens, on va commencer le défilé, va. Attends. Écoutez tous! Que tous ceux qui ont des instruments de musique aillent les chercher, tout de suite. C'est une bonne idée. Bonjour, monsieur le curé. C'est un cadeau qu'on vous a fait, monsieur le curé. La bonne madame Desgarets. Bien vu, si toi. Tu vas annoncer à tous les gars du village que monsieur le curé distribuera des bonbons à tous ceux qui viendront se faire inscrire pour le pèlerinage de Fourvière après la messe. T'as bien compris? Des roux-doudous, des caramels, des sucres d'orge et des pralines. Tiens, j'en ai déjà un pour toi. Tu as bien compris, hein? Alors, dépêche-toi, allons bien vite. Comme ça, ils ne verront pas leurs parents s'enivrer. Pour chéri, c'est lui qui t'a pris tes jambes. Procureur du roi, nous pouvons nous mettre à votre disposition pour nous saisir de la personne du dénommé Vianney Jean-Marie, curé de votre commune. Notre curé? Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Conspiration contre la monarchie, propos subversif. Lui? Oh, on s'est trompé, voyons. Allez, m'attendre au café Malray. Oui, on réglera ça après le vin d'honneur. Hein? Je les accompagne. Et venez. Matin
Tiens. Le petit Malraux. Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi, tu voudrais venir au pèlerinage. Hmm? Approche, mon enfant, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Maman m'a dit que vous m'aviez pour mes jambes. Je viens vous demander si vous voudriez bien me les rendre. Mais je n'y peux rien, mon pauvre petit. C'est le bon Dieu qui a permis ton infirmité. Peut-être pour qu'elle te fasse gagner le ciel. Rendez-les-moi, monsieur le curé. Est-ce que tu as essayé de marcher sans tes béquilles? Non. Eh bien, essaie. Sainte Philomène, qui fut elle aussi une enfant martyre, intercèdera peut-être pour toi. Je les ai. Ah, mon Dieu, il est guéri. Et monsieur le curé? Curé? Il m'a rendu mes jambes. Miracle. Oh, miracle. 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 Oh, je suis heureuse.
Pardonnez-moi, monsieur le curé. Oui. Le bon Dieu te pardonne. Lui. Il faut... Pourquoi? Vous voulez pas nous marier? Je n'en aurai plus le temps puisque... les gendarmes viennent pour m'arrêter aujourd'hui. Non, vous ne le serez pas, monsieur le curé. C'est moi qui ai menti, qui vous ai calomnié. J'irai me livrer à votre place. Malheureux, tu as accusé un saint. Un saint, car ce prêtre regarde le cœur de l'homme avec les yeux de Dieu. Il va donner le meilleur de lui-même aux pèlerins qui vont bientôt accourir des plus lointaines provinces de France, dans l'église restaurée, où, prisonnier du confessionnal, il libérera les âmes du péché, ne cessant de pardonner, de guérir ces foules qui viendront l'attendre nuit et jour dans le petit village à la célébrité grandissante, où se retrouveront tous ceux qui n'espèrent plus qu'en une intervention du ciel. Toutes les voitures qui viennent ici, vous devez en gagner de l'argent. Oh, n'empêche que c'est une honte. Si le pays continue à être envahi par les calotins, moi je boucle ma porte. Tu viens avec moi ce soir, la vol de Trévoux? Non. Oh, non, mais ça va pas mieux, non? Tu vas te faire nonne, toi aussi? Prie, de ne plus me tutoyer. Oh, oh, non, mais vous voyez ça. C'était la plus grande catin du pays, et là, c'est à longueur de journée. Oh. Si ça lui plaît. Oui, allez, vous pouvez ramener votre carte. Allez, allez la faire ferrer au paradis, si vous voulez. Avec des fers en hostie consacrée. Ça n'a pas voltigé par-dessus les tomes-sacs. J'en ai assez de vos chevaux réactionnaires, vous m'entendez? Et s'il reste un libre penseur ici, ça sera moi. Non. Allons. Il est interdit de venir attendre notre saint curé ici. On vous a réservé la place de l'église. Occupez-vous un peu du service d'ordre, puisque vous êtes son auxiliaire, sinon ils vont l'épuiser. Voilà un homme qui ne se repose même pas 2 heures par nuit. Voyons, allons. À quelle heure peut-on le voir? On vous préviendra. Pour l'instant, il prie pour vous. On vous regarde. Eh bien, c'est l'apothéose. Ils sont tous là qui t'attendent, pour que tu les confesses, pour que tu lises dans leurs pensées. Tu es un grand homme maintenant. Tu as déjà ton portrait dans les maisons. Après ta mort, tu seras célèbre. Tu élèveras des statues dans toutes les églises du monde. Laisse-moi. Tu as déjà converti des foules immenses, exaucé des vœux, guéri des malades. Et peut-être qu'un jour, grâce à toi, la plupart des humains seront sauvés. Alors avoue-toi vaincu. Et va-t'en. Mais non. Imbécile. En sauvant les autres, tu t'es perdu toi-même. Moi? Regarde ton âme. Elle est noire. Que tu le veuilles ou non, tu prends pour toi les hommages qu'on te rend. Tu es fier de l'adoration des foules. Tu te crois l'égal de Dieu. C'est bien que non. Tu es à moi jusqu'à l'impossible fin de l'éternité. Jamais plus tu ne pourras te débarrasser de ton péché d'orgueil. Tu es perdu. Pas encore. Je lutterai jusqu'au bout. Je me sauverai. J'ai confiance en Dieu. Vous m'avez appelé? Non, j'ai bien fait venir. Regardez dans quel état vous vous mettez avec toutes vos privations. Vous ne dormez déjà plus parce que vous avez donné votre paillasse à un pauvre et vous vous rendez malade avec vos pénitents. Vous pouvez descendre, j'ai préparé votre déjeuner. Vous ne mangerez pas. Mais c'est de la folie! Vous ne mangez jamais! Vous vous tuez! Madame Bibost, il faut que je m'en aille. Où? Je veux quitter Ars. Je veux m'enfermer dans un monastère. Vous n'y pensez pas? Et que deviendraient tous ces gens que vous pouvez ramener à Dieu? J'ai peur de me perdre. Vous m'entendez? Et cette parole? Je suis un pauvre pécheur. Allons, monsieur le curé, il ne faut pas vous laisser aller au découragement.
Tenez, allez voir vos enfants à la Providence. Ça vous changera un peu les idées. Non. Il y a eu tellement de pèlerins ces jours derniers qu'ils nous ont dévalisés. Eh bien, ben là, c'est ma faute. Oh, monsieur le curé. Mais oui, puisqu'ils viennent pour moi. Qu'est-ce qu'on va leur donner? En plus de nos enfants, il y a aussi des pauvres qui attendent. Je vais faire une prière à Sainte Philomène. Oh, pourvu qu'elle vous exauce. Je ne peux même pas les laisser sans nourriture, ces pauvres petites. Continuez, mes enfants. Ce n'est pas la peine de rester, il n'y aura pas faim avant deux jours. Attendez un instant. Le saint est en prière. Si le pain ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, il est inutile d'attendre. C'est vous qui avez rempli le pétrin de farine? Moi? Non. Qu'est-ce que je vous disais? C'est un miracle. Encore un miracle! Un miracle! Un nouveau miracle! Le blé est tombé du ciel. C'est toi qui es tombé sur la tête. Eh bien, allez-y voir. Eh bien, j'y vais. Et je serai pas long à découvrir la supercherie. Le bon Dieu écoute toutes vos prières. Oh, taisez-vous, malheureux. Je suis le plus misérable des pécheurs. Ma fille est bien malade, monsieur le curé. Par grâce, priez. Soyez sans crainte, elle guérira. Et vous la perdrez. Comment? Elle prendra le voile aux Clarisses. Laissez-moi, monsieur le curé. Cette existence de débauche. Sinon, vous finirez à l'hospice dans d'abominables souffrances. Mais soyez sans crainte. Le bon Dieu vous aidera. Dites, vous appelez ça un miracle, le coup de la farine? Certainement. Moi, je suis... Pourquoi? Sainte Philomène n'a besoin de personne. D'ailleurs, je ne veux pas essayer de vous convaincre. Vous êtes aveugle et vous ne vous en apercevez pas. Depuis votre première communion, en 1825. C'est vrai? À l'âge de 16 ans, vous avez commis un vol. Ça fait du bruit, tu vas voir! Nende gouti absolvi peccatis tuis in nomine Patri et Filii et Spiritii. Amen. Maintenant, vous pourrez mourir en paix. Thank you.
L'homme que vous avez confessé sur la place vient de mourir d'un accident. Merci, mon Dieu, de m'avoir averti à temps. On a immédiatement reconnu dans l'abbé Vianney un envoyé de Dieu. Ne mens pas, Balleret. Avoue qu'on a tout essayé pour le faire partir. Ah oui, c'est vrai, on s'est bien mal conduit envers lui. Mais il s'est bien vengé en nous convertissant tous. Ainsi, moi, il m'a eu en guérissant mon fils. Il est là? Hein, oui. Paul. Voilà le premier miraculé d'Ars. Il ne pouvait marcher qu'avec des béquilles. Je ne veux pas vous distraire de vos véritables occupations. Si vous avez un instant tout à l'heure, je me ferai un plaisir d'avoir des vous. Volontiers. Il faut que je te parle, Paul. Bien. Allons dehors, veux-tu? À notre rendez-vous. J'ai beaucoup de travail ici. Tu ne m'aimes plus? Si, Louise. Alors il y a quelque chose qui te détourne de moi? Non. Tu changes de jour en jour, Paul. Si tu savais comme je souffre. Moi aussi. Rien ne peut nous empêcher de nous marier. Si. Quoi? Je ne peux pas encore te le dire. Tu en aimes une autre? Oh, mais non, Louise. Attends-moi ici, hein, je vais revenir. Vous ne voulez rien prendre? Non. Alors allez vous reposer. Je n'aurai plus jamais de repos. Encore des lettres. Épouvantable, tenez. Vous déshonorez votre habit en voulant passer pour un saint. Et c'est signé? Un curé qui honore le sien. Monstrueux. Prétend que vous êtes un saint, vous n'êtes qu'un sorcier. Le sorcier du ciel. Celle-là est affreuse. J'avais la foi, je suis venu vous voir, je n'ai pas été guéri. C'est à cause de vous maintenant que je ne crois plus. On veut vous accabler. Non, ils ont raison. Vous ne pourrez jamais les sauver tous. Entrez. Je parie que tu viens me redemander tes béquilles. Oh non, monsieur le curé. Je veux me faire prêtre. Toi? Oui, j'y pense depuis des mois. Faut pas te croire obligé de te donner à Dieu parce qu'il t'a guéri, mon enfant. Notre Seigneur n'aime pas les vocations conditionnelles. Mais je suis sûr de moi. Sais-tu ce qui arriverait? Si tu entrais dans les ordres? Non. Tu ferais un mauvais prêtre. Pourquoi? Parce que tu ne pourrais jamais oublier Louise Marchand. Vous savez... Mais c'est facile à voir. Tu as une âme aussi claire que du cristal.
On lit dedans si facilement. Va, mon petit, va. Il t'attend. Tu lui diras que je vous marierai le mois prochain. C'est une bonne fille. Puis vous tâcherez d'avoir beaucoup d'enfants. Pour qu'il y ait encore plus de chrétiens sur la terre. Vous n'avez pas détourné de sa véritable vocation? Non. Est-ce qu'il est parti heureux? Vous n'allez pas me laisser seul. Je vais porter des consolations aux malades. Si vous avez un instant, priez pour moi. Volontiers, mais j'ai l'impression que vous n'en avez pas besoin. Plus que vous ne croyez. Ma gloire. Jamais. Alors, attends. Sinon, je vais te faire mourir de frayeur. Tu vois, on arrive toujours à s'entendre avec moi. Puisque tu es parti, je protégerai ta retraite. Tu auras une vieillesse heureuse. Alors, viens. Personne.
Je l'ai vu partir dans cette direction. Vous êtes sûr? Oui, oui. Allons-y. Allons-y. Plus de moi, mes enfants. Allons, allons, revenez. Revenez avec nous, monsieur le curé. Non, je veux me retirer. Je n'ai plus assez de temps pour pleurer mes pauvres péchés. Mais vous êtes un saint. Oh, si vous voyez mon âme. Faites-le pour moi, monsieur le curé. Et qui bénirait mon mariage? Monsieur le maire! Monsieur le maire! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le falacu. Oh, allons, vite! Vous voyez bien, le diable ne veut pas que je revienne. Raison de plus pour le combattre. Jean, qu'est-ce qui se passe? Il y a le frère à la cure. Le curé est dedans? Non, il était absent. Hein? C'est un miracle de plus. Si les miracles continuent, je désespère pour un jour voir mes fers se fabriquer tout seul. Sur un fagot. Où êtes-vous parti, monsieur le curé? Je ne sais pas. J'ai fait l'enfant. Tous ceux qui m'ont ramené ici. Et je ne quitterai plus Ars. Mais je te poursuivrai sans répit. Pauvre grappin. Il ne peut plus rien maintenant contre moi. Et je ne veux plus t'entendre. Et je ne t'entendrai plus. Eh bien, tu vas voir. Je n'en ai pas fini avec toi. On ne m'abat pas si facilement. J'en ai vaincu d'autres que toi. Un signe d'honneur pour nous que Sa Majesté l'Empereur Napoléon III ait bien voulu décerner à Jean-Marie Baptiste Vianney la croix de la Légion d'honneur. Mais je sais que tu as toujours flatté les goupillons. N'empêche que la célébrité de notre curé est une source de bienfaits pour la commune. Tu oublies que ton père a été son plus farouche ennemi autrefois. Respecte au moins les morts. Pas ceux qui ont retourné leur veste pendant leur vie. Moi aussi, j'ai retourné.
J'ai reconnu que l'envers était meilleur que l'endroit. Eh bien, moi, je garde la mienne comme je l'ai toujours portée. Parce qu'elle est aussi crasseuse des deux côtés. Répète-le. Mais laissez-le, Ruffin, son sectarisme l'étouffe. Non, monsieur le comte. Il m'anime. En 68 ans, j'ai connu 7 régimes. La République, l'Empire, Louis XVIII, Charles X, Louis Philippe, la Seconde République et le Second Empire. J'ai connu la liberté et l'oppression. J'ai vu les hommes changer de livret chaque fois qu'ils ont changé de maître. Fidèle au legs, j'ai été sous Robespierre. Il ne sera pas dit que je continuerai à conduire les destinées de ce bastion du cléricalisme. J'attendrai pour reprendre ma place ici que la démocratie chasse à nouveau les tyrans. J'ai dit. Vous avez ma démission. Bon débarras. Ce n'est pas un mauvais homme, mais la gloire du curé d'Ars l'empêche de dormir. Messieurs, la première messe doit être finie. Je vous propose que nous allions décorer notre saint dans sa cure. Bonne idée. Vous voulez démissionner? Et pourquoi? Ben, vous continuez à me payer comme sacristain. Je vais avoir 100 ans dans 2 mois. Je suis plus bon à grand chose. Vous avez été mon fidèle serviteur depuis mon arrivée à Ars. Vous le resterez jusqu'au bout. Vous venez voir? Eh oui, monsieur le curé. Monsieur Jean-Marie Baptiste Vianney, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Bon, merci, monsieur le maire. Je ne suis pas digne de recevoir cette décoration. Vous l'avez bien mérité. Non. Rien mérité du tout. Vous la donnerez à Albert Le Bourg, qui a perdu sa jambe en Crimée. Il la mérite mieux que moi. Mais c'est impossible. L'empereur vous l'a décerné à vous. Elle est bien jolie, cette médaille. En quoi est-elle? En vermeil. Vermeil. Où je la garde? Je la vendrai pour nourrir mes petites de la Providence. Je vous remercie tout de même, monsieur le maire, de votre dérangement. Tellement, il en manque, hein? Un beau collègue, que j'aurais eu beaucoup de plaisir à voir ici, tout particulièrement. Vous le connaissez, monsieur le curé, il est incorrigible. Faut tout de même que je le ramène, celui-là. C'est la seule brebis d'Ars qui s'obstine à ne pas suivre le troupeau. Chez vous, monsieur Sancin. Vous permettez que je m'assoie? Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai pensé que depuis bientôt 40 ans que je suis installé à Arles, vous êtes le seul de mes paroissiens que j'ai visité. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est ce que je me suis dit. Mmh.
Comme je ne resterai plus bien longtemps parmi vous, je ne voulais pas partir pour le grand voyage. Sans vous avoir serré la main au moins une fois. À quoi bon? On est pour du même bord. J'ai jamais pu souffrir les soutanes. Le cœur y serait pas. Il serait sûrement de mon côté. Un adversaire n'est pas forcément un ennemi. Ils peuvent même devenir un ami. Alors, n'essayez pas de m'entortiller, vous perdriez votre temps. Et puis, si vous êtes venu ici pour ça, je vous fais remarquer que vous travaillez aussi le dimanche. Il n'y a pas de dimanche quand il s'agit de sauver une âme. Et la mienne n'a pas besoin de vos services. Vous reconnaissez donc en avoir une. Ce que vous appelez une âme, moi j'appelle ça la pensée. Et voilà tout ce qui nous sépare. Eh bien, cette pensée, il a bien fallu que quelqu'un l'allume, comme Von Braine. Qui souffle dessus pour la faire prendre. Mais voilà, moi j'y crois pas à votre maréchal Ferrand Céleste. Et tout ce que vous me raconterez là-dessus ne me fera pas changer d'avis. Je me reconnais que dans le fond, vous n'êtes pas un méchant homme. Et vous avez su mener votre affaire. Mais si on n'était pas séparés par les idées, j'aurais bu volontiers un verre avec vous. Vous voyez? Ben, qu'est-ce que vous voulez? Votre costume noir me fera toujours voir. Allons. Oubliez-le un instant. Donnons-nous une poignée de main. Hein. Personne ne nous voit. Si ça peut vous faire plaisir. Mais on reste chacun sur ses positions. Hein. Entendu. Néanmoins, que vous me permettez de demander au bon Dieu une grâce exceptionnelle pour... Allons, 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 plaisantons pas. Oh. Vous entendrez sonner le glas pour moi. Venez devant la cure. Vous apercevrez peut-être quelque chose que personne d'autre que vous ne pourra voir. Dans ce cas-là, je vous le promets. Au revoir, monsieur Sanson. Adieu, monsieur Vianney. J'ai mes yeux tout grands. Ah, si vous faites un miracle pour moi, je vous fous mon billet. Ah, je suis fichu de prier pour vous. Que le curé d'Ars va mourir. Usé par les privations, les sacrifices volontaires, l'intensité de son action sacerdotale, il s'apprête à paraître devant Dieu, tout nimbé de la gloire réservée aux saints. À cet instant suprême, laissons notre pensée aller vers lui et demandons à Dieu de lui épargner les arbres de l'agonie.
Vous pleurez, monsieur le curé. C'est triste. De communier pour la dernière fois. Mais vous allez communier directement avec Dieu, au milieu de toutes les âmes que vous avez ramenées à lui. Il en reste tellement à convertir sans son. Oh, que le bon Dieu est bon quand on ne peut plus aller à lui. C'est lui qui vient. Maintenant, le curé d'Ars nous a quittés, ses épreuves sont finies. Mais son sublime rayonnement ne disparaîtra pas avec lui. Dans les siècles à venir, son message de charité, de pénitence et de sacrifice se propagera parmi les hommes. Où les saints ont passé, Dieu passe, Dieu demeure. Et figé sous son masque de cire, il reste au milieu de nous, symbole éternel du lien que Dieu tendre entre les hommes et lui.